Bonjour, c'est Sébastien des Moulins d'Alma. Alors voici le petit trieur M10. On retrouve la trémie d'entrée avec 3 trappes pour réguler la chute du grain. Le grain tombe dans le boîtard. On va régler le flux de l'air et le raccordement du tuyau d'air sur la petite aspiration, la petite centrale qui est fournie ici. Donc là, avec tout ça, on aspire les déchets légers. On régule l'entrée du grain avec ces 3 petites trappes, on aspire les déchets légers et on tombe sur les plateaux avec des balles de dégommage. Donc on a 2 plateaux, ça veut dire qu'on a 3 fractions produits, gros, moyen, fin. On a toute une flopée de grilles disponibles en trous ronds ou trous oblongs. Les petites balles de dégommage font bien leur travail. On a la sortie gauche pour le petit, la sortie droite pour le moyen et la sortie supérieure ici pour la sortie du gros. Voilà. Donc le petit trieur n'est pas bien haut, il fait à peu près 1,60 m. Il fait en largeur 90 et en profondeur 1,10 m, 1,20 m. Voilà. Un petit variateur intégré. Tac. Un petit variateur intégré pour réguler la vibration. Donc voilà, on a un petit trieur qui est assez complet, assez simple et relativement pratique. Je reste à votre disposition. À très bientôt.